37 établissements supérieurs privés seront fermés et les étudiants transférés dans d'autres établissements. 12 autres grandes écoles feront l'objet d'une mise en demeure et placées sous observation durant l'année académique 2013-2014. Voilà la sanction prise par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'encontre de ces établissements en situation irrégulière. Quant aux établissements qui feront l'objet d'une mise en demeure, en même temps qu'ils sont mis en observation, ils pourront être fermés à tout moment en cas de persistance des irrégularités qui affectent leur fonctionnement. De même, il est décidé de supprimer purement et simplement les prises en charge dites sociales attribuées aux étudiants n'ayant pas vocation à bénéficier de la prise en charge de leurs frais d'écolage par l'État, aux étudiants ayant perdu le bénéfice de ladite prise en charge, ainsi qu'à ceux des cycles post-BTS. Selon les explications du directeur général de l'enseignement supérieur, seuls les bacheliers de l'année académique en cours ont droit aux prises en charge de l'État. Toutes ces décisions, au dit de professeur Ado Ikrou, visent un seul objectif, assainir le milieu de l'enseignement supérieur privé tout en offrant aux populations des formations adaptées au marché de l'emploi. La Direction générale de l'enseignement supérieur invite ses propres services à respecter ces consignes au risque d'être relevés de leurs fonctions.